Dans la vie, des millionnaires ou quoi que ce soit, mais si on n'a pas un cœur, si on n'a pas un cœur d'humilité, de savoir que c'est Dieu qui donne, si on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est Dieu, on n'est rien. On n'est rien. On n'est rien. Donc, concentrez-vous. Cette histoire de se poignarder dans le dos, cette histoire de se croire qu'on est le tout, c'est pas le tout, le roi intouchable, non. Que l'amour règne dans nos cœurs, que l'amour règne dans toutes les institutions. Que l'humilité, l'esprit d'humilité puisse régner dans nous les Congolais. Si notre président aujourd'hui, c'est l'image que moi je retiendrai toute ma vie, un président qui s'agenouille pour prier, un président qui s'agenouille pour prier pour les autres, pour même intercéder pour les péchés des autres personnes. Mais pourquoi pas nous un Congolais? Il suffit que tu aies un petit 500 000 dollars dans le compte, tu te tapes une voiture, donc tu commences à dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Mais c'est bien beau, mais pour quelle finalité? Quel est ton apport à la société? Tu vas être sujet de polémiques, tu vas être sujet de beaucoup de regrets, de chagrins dans le cœur des gens. Et tôt ou tard, Dieu va te voir toujours te coincer. Et que par-dessus tout, je vais finir par là, qu'on sache donner d'abord la première place à Dieu dans tout ce qu'on fait. C'est le dernier message que je pourrais... que je pourrais lancer à tous les jeunes talentueux footballeurs. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. On n'est pas né avec le football dans nos mains. On n'est pas sorti du ventre de nos mamans avec le football dans nos mains. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. On accorde Dieu la première place dans nos vies et c'est le plus grand honneur. Et au retour, Dieu va nous honorer.